fort que toi. Ah oui, et je l'ai dit à Laura. Je lui ai dit à Laura. J'ai dit, pour une fois que je joue avec quelqu'un qui est plus fort que moi à un jeu vidéo, c'est pas méchant, mais pour une fois que je joue avec quelqu'un qui est plus fort que moi, bah ça change. On m'a donné 35 ans. Et c'est quoi ton vrai âge? Je suis curieux. Ah, ça va. Moi, je sais... Moi, ça change pas d'habitude. Moi, je sais pas quel âge on me donnerait. Bon, dans les 35, je pense. Ouais, t'as pas envie de te prendre la tête, toi, Charlène. Merci, AI2332, pour le sub. Libby connaît le jeu Brawl Stars, non. Marie, à 31, lui donnait plus jeune. Ah. On voyait qui avait porté 3 enfants et qui se lève encore la nuit. Voilà, j'ai encore eu un commentaire de Yann qui dit j'ai 37 ans et je dis aussi vous, ou plus vieux que moi. Ouais, ouais, vraiment, majoritairement, les commentaires vont dans ce sens. On te donnerait plus que ton âge? Ah ouais? Oh, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas. Après, j'ai beaucoup de cheveux gris, mais bon, là, ils se voient pas trop. Et la barbe, bon, ça se voit pas trop en vidéo, mais... J'ai une belle couronne grise tout autour. Après, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Je vieillis, hein, une fois. J'ai vécu tellement d'années en voulant être plus vieux. C'est quand t'as des enfants jeunes, t'as des responsabilités assez jeunes, t'as un boulot jeune, etc. Bah, les gens, en fait, ils te prennent pas au sérieux. Et du coup, j'ai très vite voulu vieillir, donc ça me va. Bah, il faut un âge à géométrie variable dans la tête. Faut avoir un esprit tout jeune pour certaines choses, et puis un esprit plus posé et plus vieux pour d'autres. Tu as déjà pensé à couper ta barbe en mode coup de folie. C'est Effet Barbe qui fait ça. Coup de folie. Ça fait 10 ans maintenant que je porte la barbe. Et un... Non, pas un vrai coup de folie, mais 2-3 fois, ça m'est arrivé de me dire « Allez, allez, ça repousse, allez !» Juste pour voir la gueule que ça me ferait. Mais honnêtement, non. Non, 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 parce que je regretterais tellement, j'en ai déjà rêvé de cauchemarder, de me retrouver sans barbe et tout, que non. Et puis l'oral, ouais, l'oral, elle vrirait. T'imagines, toi, un jour, elle rentre de la maison, j'ai plus de barbe, je me suis rasé complètement la barbe. Soit elle m'a dit « Je sors plus avec toi tant que ça va repousser. » Oh bordel, ça fait mal après, quand on n'accepte pas. Raser la barbe et les cheveux. Non, non, les cheveux, j'aime bien comme ils sont, là, avec la petite queue de cheval. Pour l'instant, ça me plaît. Elle s'est épaissie, donc ça va, ça fait plus trop queue de rat, tu vois. Et puis, mais ils commencent à être longs, hein, les cheveux, hein. Putain. Et la barbe, non. Là, pour l'instant, je la relaisse pousser, parce que bah, c'est l'hiver, et puis j'ai envie de la laisser pousser. Mais une fois de temps en temps, bah, je la taille quand même bien. Hein. Il y a des fois où je l'ai taillée quand même assez court. Hein. Quand j'ai rencontré Laura, elle était beaucoup plus courte que ça. Mais tout rasé, non. Rase tout. Mais toi, laisse-toi pousser la barbe. Vous avez le droit à l'armée maintenant à avoir une barbe, alors. Moi, je vais le faire. Non, non, Michelanto, faites pas ça. Oh, terrible. Je crois que j'aurai la même réaction de Laura. Vous venez à la maison, vous avez plus de barbe. Ah, je serai... Je serais très 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 perturbé et très triste. Miguel Anto, pour moi, je les ai connus sans barbe, hein, mais Miguel Anto, pour moi, c'est la barbe. C'est ZZ Top, quoi. Je suis un enfant, moi. Qui est Aigle d'Acier? Oh. Quelqu'un que t'as pas envie de rencontrer, moi, je te le dis. Hein. C'est quoi que vous avez fait à manger? Ça ressemble à du pain perdu. Ouais, c'est du pain perdu que vous avez fait, Miguel Anto. Enfin, Anto, du coup, c'est Anto qui cuisine. Qui suis-je? Non, non, ils avaient pas de barbe, Miguel Anto. Pas comme ils ont actuellement. Hein. Bah, moi aussi, j'ai eu peur parce qu'ils avaient blagué en disant « On viendra, on aura plus de barbe. » La brioche perdue. Merci, Mans, pour le Prime. Mon mari n'a pas le droit à la barbe à l'armée. Bah, je sais pas, faut demander à Aigle d'Acier. Il bosse à l'armée, donc...
plus trop de haters maintenant, ils ont fini par abandonner. Bah, demande à Timiel et Marina et Hypnisa. Tu as déjà fait une sortie moto avec tes parents? Non, bah ils ont pas de moto déjà, mes parents. Non, mais j'ai conduit avec eux dimanche, qu'on est à la braderie. Moi j'étais en moto, mon père était en buggy et ma mère était avec Laura dans la voiture. Et au bout d'un moment, j'ai accéléré en sortie de rond-point, j'ai donné un gros coup de gaz. Et puis qu'on est arrivé à la braderie, mon père il a dit: hey, t'as vu hein, tu peux pas me semer avec ta moto. Je dis: bah non. Et j'ai dit: on a le même rapport pour puissance quasiment. Si on peut, si bien entretenu. Ah ouais, alors moi je serais dans la merde moi. Oui, dans la Légion étrangère, par contre, la barbe, c'est différent. C'est pour les gradés et tout. Donc, à l'armée, tu peux avoir une barbe, mais si bien entretenue, d'accord. On a déjà une story, t'avais plus de barbe, tu veux, c'était un filtre. Oui. Ah, t'imagines le choc, toi. Plus rien. Puis bon, je dois avoir un sacré double menton, donc faudrait perdre avant, quand même. Chloé n'a jamais fait des tresses dedans, non. C'est quand l'apéro? Bah écoute, viens hein. Tu veux que je vais te pause? As-tu refaire un live illimité? Non. Pas pour l'instant, bah c'est compliqué avec les gosses et tout. C'est quand l'apéro? Bah écoute, vous avez qu'à venir. Alors. Suken, on a de la dispo, je crois, Suken. Week-end prochain, je crois, je sais plus. Vous avez qu'à venir? Vous venez à la maison, on se fait un petit plan de chat, une petite raclette, machin. Coucou Madame Laura. On va tous venir, oui, oui. Je viens avec la tribu. En retour, on en a déjà 5, nous, hein. De plus, ah bah non, samedi, non, ce week-end, c'est pas possible. Non, j'ai rien dit. Ce week-end, c'est pas possible. Parce que Malone, il fait l'anniversaire avec ses amis, là. Pfiou, il y aura du monde, là, la baraque. Hein. Voilà, je vais enregistrer, d'ailleurs. J'ai encore, comme ça faisait partie d'un utilisé par du guignol. Sort de drama. Oh bordel. Ah, faut de l'ancienneté pour avoir une barbe à l'armée. D'accord. Ah, t'es vieux toi maintenant. T'as quel âge d'ailleurs? Je sais même pas quel âge t'as toi. C'est ça qui est ouf. Tu sais, on se parle, on joue ensemble et tout. On s'est vu une fois à Metz, mais genre il est passé en bagnole. Ah, salut. Mais on s'est jamais vu réellement. Je l'ai sur Facebook, tu sais. Ça me fume. Mais je sais même pas quel âge t'as. C'est ouf. Tu dois être plus jeune que moi, je pense. Hein. Voilà, des gens t'ont souhaité ton bon anniversaire, mais ils disent pas l'âge. Prévoit un week-end en Normandie aussi. Inch'Allah. On croirait un bout de bite. Le filtre, sans cheveux et barbe. On croirait vraiment un gland. Oh là là, c'est horrible. Quelle horreur. Edouard Philippe a tout rasé, j'ai vu. Ouais, il avait une interview, il parlait de ses sourcils, là, que c'était ça le plus chiant, ou je sais pas quoi, ouais. Aujourd'hui, j'ai vu un truc à l'école. Oh là là. Il y a un mec qui vient chercher son fils en moto. Et Laura, elle me dit, ah, bah lui, il a pas appris à mettre de l'équipement. Il était en t-shirt et en short, en moto. Une roadster, en plus. Et du coup, il récupérait son fils en moto. Il a fait monter son fils en t-shirt sur la moto. Juste le casque, pas de gants. Et le gamin assis sur le réservoir. Oh, j'étais là. Ouf. Et revenu Twitch, c'est seulement les abonnements ou les vues? Non, les vues comptent pas parce que j'ai désactivé les pubs pendant... Normalement, vous avez plus de pubs non, pendant les lives. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à me dire « Ouais, vous pouvez gagner 300 balles de plus. » En fait,
Avant, je gagnais 600 balles à peu près avec Twitch par mois, chiffre d'affaires. Et un jour, ils ont tout réduit, les abonnements. Je me suis retrouvé à 200 balles à peu près. Donc, ils ont divisé par 3, tu sais. Et ils ont dit, mais vous inquiétez pas. On a un système de monétisation en place pour récupérer cet argent. Vous cliquez, machin et tout. Et en fait, ça vous foutait des pubs constamment dans le live. Ça vous mettait mes 10 pubs dans le live, quoi. C'était casse-couilles. Et vous me le disiez, vous aussi. Ah, j'ai une pub, j'ai une pub, j'ai une pub, j'ai une pub. C'était chiant, putain. Et du coup, bah, j'ai déconnecté. Et du coup, bah, tant pis. Pour ça que maintenant, je fais beaucoup... Bah, les replays de live me permettent de combler le manque, quoi. De quoi, quelle horreur. J'ai 20 ans, Adrien. Non, non, t'as pas 20 ans, t'as deux gosses, c'est pas possible. Tu peux pas avoir 20 ans. Ouais, Geoffrey m'a envoyé des vidéos de son boulot, là. Putain, c'est physique. Oh, bah merci, le frérot. Il a 20 ans comme Laurent, on a 25. Ouais, grave. À l'enfant en maillot sur la moto. Ouais. Après, il fait ce qu'il veut, là. C'est... La loi française est claire. Il faut un casque et des gants. Tu peux faire de la moto à walpé ou en slip de bain, pieds nus. T'as le droit. Mais il faut un casque et des gants. Après, le truc, c'est que l'équipement de moto coûte ultra cher. Donc, d'un côté, tu dis, il devrait rendre obligatoire au moins les bottes moto, le pantalon, ou des trucs comme ça. Ou au moins la veste. Mais le truc, c'est que ça coûte une fortune de s'équiper. Non, 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 non. Le seul truc qui est obligatoire en moto, c'est les bottes et les gants. Le casque et les gants, c'est tout. Tout le reste... Et ça, tu le vois sur TikTok quand je vois des vidéos moto. À chaque fois, c'est des meufs en débardeur ou des mecs et tout. Tout de suite, les commentaires. Ah, vous avez pas peur, vous avez pas peur, vous avez pas peur. Ça ne joue pas dans l'assurance? Non, non, non. 20 ans dans la tête. Non, mais en vrai, mais dis-le-moi sur Facebook si tu veux pas me le dire en live. Mais je te donne... je sais pas, attends, je vais regarder ta tête à nouveau. Quel âge je te donne? Tes enfants sont plus jeunes que les miens. Ah mais là c'est 2018 ta photo de profil frérot, et il faudrait peut-être se mettre à jour hein. Là il y en a une autre là. 2022. Attends, je regarde. Oh je te donne 27, 28, quelque chose comme ça. 27, 28. Ouais comme le casque intégral, les casques jet là où en fait c'est juste la tête et t'as pas le devant. Si seulement 33... Ah, bah, t'es pas... Oh, bah t'es pas si jeune que ça. Bah tu vois, je t'ai donné moins que ce que tu fais. Geoffrey fait plus vieux que son âge. Ah, moi, quand j'ai connu Geoffrey il y a quelques années, il faisait vraiment jeune. Hein. Bah il était jeune aussi, hein. Quand je l'ai connu, c'était en 2019, c'était il y a 4 ans, il avait 20 ans. Et il faisait vraiment jeune. En fait, il était tout maigre, déjà. Geoffrey était tout maigre, là, comme ça. Et du coup, bah, il faisait vraiment jeune. Et maintenant, non, il le fait beaucoup moins jeune maintenant. J'ai pas de barbe, c'est pour ça. Ouais. Si, sur la photo que j'ai regardée sur ton Facebook, t'as un petit peu de... On voit que t'as une petite barbe de 1,5 jours. Mais c'est comme la dernière fois, ça me fume. Il y a 10 ans, en fait, avec Aigle d'Acier, on jouait à Counter-Strike Global Offensive. C'est un jeu compétitif. Et on a monté une équipe. On avait monté une équipe avec plein de potes, et enfin des gens que j'ai rencontrés sur Internet et tout. Et il y en a certains que j'ai gardés dans mon Facebook. Bah, Aigle d'Acier, 2-3 que j'ai gardés dans mon Facebook. On a joué comme ça pendant longtemps, on a fait une équipe, on avait un serveur et tout ça. Et un jour, bah, j'ai arrêté de jouer à Counter-Strike, on s'est tous un peu éloignés, on a joué chacun d'autres jeux. Et j'ai joué à Rust, et sur Rust, j'ai rencontré deux personnes, deux jeunes, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi du coup. Et pareil, sympathisés, on a beaucoup joué, je les ai mis sur Facebook, machin, etc. Et là, du coup, j'ai repris Counter-Strike. Du coup, avec Aigle d'Acier, enfin, quand il est dispo, le monsieur, parce qu'il joue à d'autres jeux. Mais j'ai repris un peu Counter-Strike. Et j'ai repris contact. Ben, j'ai vu que dans mes amis Steam, il y a deux mecs qui rejouent aussi. Et je le contacte, je dis, ah, bah, tu rejoues à Counter-Strike, putain, ça rappelle dans le temps, machin et tout, il y a 10 ans.
Et le mec, il me dit, oh, il y a 10 ans. Et en fait, non, j'ai confondu lui avec d'autres. Et lui, en fait, c'était sur Rust que je l'avais rencontré. Mais bref, peu importe. Et on commence à discuter. On a discuté pendant une heure, moi, sur Steam. Il me dit, oh, bah voilà, machin et tout. On parle de tout et de rien, etc. Et après, il me dit, oh, c'était quoi la musique de pirate que tu chantais? Je dis, moi, je chante pas déjà. Je dis, mais si, t'arrêtais pas à déconner avec une musique de pirate. Et je me dis, bon, déconner, ça me correspond quand même. Et du coup, je lui en envoie, il me dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et putain, on parle. Il arrête pas, il me dit, oh là là, j'aimerais trop retrouver cette musique, ça fait chier. On jouait avec Clem, bah, du coup, mon ami d'enfance, là, qui passe dans le cinéma et tout. Et un autre. On jouait avec lui aussi, je dis, oui, je me souviens. Il me dit, t'as des contacts? Je dis, bah, Clément, plus trop. Je dis, on habite pas à bord d'à côté, et puis il a fait son chemin, moi aussi. Je dis, et puis l'autre, non, du jour au lendemain, on a arrêté de jouer ensemble, et puis on s'est supprimé de l'application, et on a pu reparler. Et le mec, il me bassine encore avec son histoire de pirate et tout. Et je dis, mais tu sais, je prends de l'âge, ma mémoire me fait peut-être défaut. Il dit, comment ça, tu prends de l'âge? Je dis, bah, je vais en avoir 36 l'année prochaine. Il dit, mais attends. Il dit, c'était toi le daron avec les gosses et tout? Je dis, ouais, c'était moi le daron, parce que j'ai toujours été plus vieux sur les jeux vidéo. Je dis, c'était moi. Ah, il me dit, mais en fait, depuis le début, je croyais que c'était l'autre, tu sais, celui avec qui bah, je joue plus et je parle plus, tu sais. Oh, bah, depuis le début, en fait, il m'a confondu avec un autre. Je dis, non, c'était pas moi. Je dis, en plus, t'es con, quoi. Je dis, on est amis sur Facebook. Je dis, on est amis, hein, j'y suis pas allé depuis des années. Je dis, bah, oui, mais bon. Oh, le bordel, toi. J'avais dit à Adrien que les cheveux longs t'allaient bien. Oui, possible. Elle a aussi dit que t'étais très vulgaire. Je mets le chapeau, on dirait Charlie Gals. Excellent. Faut qu'on se programme la prochaine enquête, frérot, là, de la baraque que t'as trouvée. Faut que je la mette sur YouTube aussi, l'urbex. En vrai, c'est pas une légende. Ta paire de poids commence à se voir, j'ai l'impression. Ouais, je suis à presque 11 kilos. Oui, je me sens mieux au quotidien. J'en ai fait des vidéos. Il y a même une abonnée qui m'a contacté sur Insta. Et là, je recommence à répondre aux gens sur Insta. Elle m'a dit, ah oui, je voulais savoir quelle application tu utilises, machin, comment t'as fait pour perdre du poids. Et je dis, bah écoute, j'en ai fait des facecams. Parce qu'elle me disait qu'elle était en retard sur les vlogs. Et j'écoute, j'en ai fait des facecams. Je t'invite à aller les... Oh, on me renvoie encore le même mec qui parle de moi là. Mais j'en ai rien à foutre. Il y a un mec qui parle de moi, apparemment, un bonhomme, un rugbyman ou je sais pas quoi là. On me dit, ce mec se permet un jugement sur vous. Oui, bon, un grand bien lui fasse, il se permet un jugement sur moi. Ça n'engage que lui. Bah, bien sûr que la musique que j'ai mis en story, c'est l'intro de Metallica. C'est Ecstasy of Gold. Non, j'ai pas fait de photo avant, après, tu vois. Je pense qu'on me voit suffisamment en vidéo pour se rendre compte. Bah, va voir Simone Weber, parce que comme je t'ai dit, moi, je suis assez réticent à faire ce lieu. Hein. Parce que je l'ai fait il y a des années, j'ai voulu le refaire il y a 4 ans, 5 ans, et il y avait un gardien de nuit. Hein, donc, à toi de voir, tu me diras. Idéalement, il faudrait que tu le fasses le soir pour voir s'il y a un gardien, parce que pour moi, il y a un gardien. Surtout si on a des loupiottes, ça se voit, quoi. Ça se voit, les bras, le torse. Moi, bon, je suis bon, non, les bras, je pense pas, mais... Oui, bah après j'ai perdu du ventre, hein. 11 kilos, presque 11 kilos, faut quand même que ça parte de quelque part. Pour moi, en tout temps, mon zob est resté pareil, donc j'ai pas perdu à ce niveau-là. Donc ça va. Je verrai à quelle heure j'irai. Ouais, bah tu me tiens au courant, je suis curieux de savoir, parce que là, je t'ai dit, j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui y allait il y a quelques mois, ils ont dit que les habitants, ils appelaient les flics. Hein. Moi, j'ai pas envie de retourner en garde à vue, hein, c'est bon. Hein. Non, il pleut. J'arrive pas à savoir s'il pleut ou pas. Je vais ouvrir la fenêtre, comme ça, si les chats viennent. Ah oui, il pleut à mort, putain. Ah bah oui, en fait, je fumais pas. Hein. Enfin, si, je fumais, mais... Il pleuvait bien. Bah, c'est spécial les sanatoriums parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans ces lieux-là. Hein. C'est pas un hôpital classique, quoi. Ouais, chaud la baraque. Grave. Le bruit de la pluie, ouais, j'aime bien aussi. Surtout que là, ça résonne sur le toit, là. Le toit de la terre en bois.
tu joues après? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as dit que tu jouais pas. Tu m'as dit c'est WoW ce soir, World of Warcraft. Bien sûr, Warzone, tête de veau. Non, c'était dimanche. Non, c'est aujourd'hui, tu m'as dit ça. Ah non, c'était hier. Ah ouais. Viens sur Warzone, tête de veau. Arrêtez de demander qui je suis. Mais Cédric, il m'a envoyé... Cédric de Cédric Vanesse, il m'a envoyé un message sur Messenger hier ou avant-hier. Il m'a dit, c'est qui ça? Il a regardé dans ses amis les pseudos, T-Slip vendu. Et mon pseudo, il a dit, c'est qui ça? Et je dis, bah c'est moi. Je peux pas mis ici pour souffrir, ok? Même pas peur. C'est qui ce petit slip vendu? Moi avec mon pseudo de merde, putain, je peux même pas le changer avant 6 mois, quoi. J'attends, je devrais bientôt le changer, le mien. Bah, je me demande ce que tu vas mettre. MST durable. Rictus scrutus. Voilà le pseudo. Ouais, mais c'était durable, c'était Geoffrey. Robert Robinson comme à l'ancienne. T-Slip, c'est Théo, son fils. Robert Robinson. Et moi, c'était... Bah oui, parce que Malone, c'était Charles Bowen. Toi, c'était Robert Robinson. Et moi, c'était... James Watt? Non. C'était... Je sais plus... Je sais plus c'était quoi. Non mais l'autre, il est en train de regarder mon live et puis il joue à WoW en même temps. Mais pourquoi tu joues à WoW? Sérieux quoi. Avec la manette Xbox branchée, non mais lol. On a la même souris d'ailleurs. Pourquoi t'as deux souris d'ailleurs? T'as deux PC? C'est con. La G502 là. Mais c'était durable sur le jeu de pirate, je sais plus le nom, Sea of Seas. Avec Rictus Scrutus. Une pour WoW et l'autre FPS. Oh putain, le mec il est bien organisé, tu m'étonnes, c'est un PGM. Ah, je sais plus c'était quoi mon pseudo. Il y avait Robert Robinson, James Watt, Charles Bowen et. Je sais plus c'était quoi mon pseudo à moi. Je sais plus. Ouais, c'était du délire. Ouais, je regarderai sur les vidéos graves. Bon, en tous les cas, le live va se terminer, mes chers amis. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette discussion. Demain, c'est un live réaction, donc c'est-à-dire qu'on va regarder une petite émission, un petit épisode de Confessions Intimes, un petit truc comme ça, tranquille, à 13h30. Ok? Et puis, demain, vous avez un vlog, une facecam, comme d'hab, un replay de live. On verra si je fais ça ou pas. Demain matin, je suis pas là, donc je pense pas. Et ta fan vient. Bah, de toute façon, demain, c'est live réaction, donc il fallait venir ce soir. Hein. Moi, je suis pas à leur disposition. Moi, j'ai réussi à rattraper ma purée. Félicitations. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Reposez-vous bien. Salut.